Bonsoir à tous. Alors, ici, vous avez vu un canapé il n'y a pas si longtemps. Demain, je reçois un nouveau canapé. Voilà. Alors, normalement, le magasin où j'ai commandé le canapé, ils peuvent me reprendre l'ancien canapé. Enfin, ils peuvent s'en débarrasser. Eh bien, juste pour s'en débarrasser, ils me prenaient 20 euros. Alors moi, avec mon chéri, on a tout dévissé, tout démonté et on a tout mis au local poubelle. Comme ça nous fait économiser 20 euros. Voilà. Voilà. Comme ça nous fait économiser 20 euros. Bon, ma chienne, elle est un peu perdue parce que normalement, elle va sur le canapé. Mais là, il n'y a plus de canapé. Voilà. Bon, et alors, vous avez. Vous avez vu l'ancien canapé avant. Là, vous voyez après. Et demain, vous allez voir encore après. Avec le canapé. Voilà. C'est un canapé d'angle aussi. Qui fait lit. Les accoudoirs, ils sont quand même assez spacieuses. Dans un accoudoir, on peut mettre des rangements puisqu'il y a des petites. Des petites étagères. Après, on peut régler au niveau de la tête si on veut avoir le cou allongé ou la tête droite. Et en plus, il y a deux petits poufs qui vont avec le canapé. Alors voilà, ça fait bizarre. Voilà, c'est là où il va le canapé, hop, avec l'angle. Après, bon, là, il y a mon ventilateur. Là-bas, il y a ma poupette parce qu'elle est un peu perdue normalement. Elle va sur le canapé. Mais le coussin, là, je lui ai laissé exprès parce que j'aime pas la voir quand elle est à même le sol. Hein. Même si le sol, il n'est pas froid, j'aime pas. Bon, là, elle est sur le tapis, mais bon. Alors, c'est pour ça que j'ai laissé un petit coussin. Voilà. Ça fait tout vide. Et puis ça nous a donné un peu du mal parce que c'est lourd malgré ça pour eux. Mais bon, au moins comme ça j'ai économisé 20 euros. Parce que 20 euros pour prendre le canapé et le jeter à la décharge, je trouve que c'est quand même hein, bon. Alors au moins, hop, déjà que je leur donne de l'argent pour le canapé, pour la livraison, et en plus ils vont venir me le monter. Bon, l'argent c'est tout compris, hein. Entre la livraison, entre le montage et entre le canapé, c'est tout compris. Mais il fallait donner 20 euros en plus pour qu'ils prennent le canapé et qu'il aille l'amener à la déchetterie. Alors nous on a dit, eh, ça va, hein. Voilà, alors on a fait tout nous-mêmes, on a démonté, on a tout mis à la poubelle. Comme ça, 20 euros d'économiser. Voilà, et demain, je vous ferai une vidéo avec mon nouveau canapé. Ciao!